Salut à tous, c'est Cash Gamer 18. Aujourd'hui, eh bien, nous nous retrouvons pour une petite vidéo de Euro Truck Simulator, un jeu de simulation de camion. Donc voilà, donc c'était c'est un jeu de simulation, on conduit des camions, enfin, etc. Je vais vous dire la suite pour au fur et à mesure. Donc voilà, donc après c'est un jeu en espagnol parce que, sans vous mentir, c'est un jeu craqué. Parce que en fait j'ai téléchargé le jeu, ben je l'ai craqué parce que, enfin, pour pas vous mentir, j'avais pas envie de payer un jeu où il y avait une chance sur deux pour que je n'aime pas le jeu. Hop, attendez, faut que je modifie les commandes. 2 secondes, ça va pas prendre. Hop, voilà, ouais, c'est bon. Enfin voilà, donc après c'est après, sinon c'est exactement le même jeu qu'en français pour ceux qui ont le jeu, mais sauf que il est en espagnol avec la langue espagnole. Mais bon, ça normalement vous, ça va pas vous trop vous pénaliser pendant la vidéo, puisque tout simplement parce que ben, c'est moi qui jouais, donc j'ai regardé quand même à quoi ça correspondait à peu près à tout, enfin voilà, hop. Et puis en même temps ça fait travailler l'espagnol. Ça j'aimerais bien. Après, désolé si vous ne comprenez pas. Le machin, mais bon, les quelques écritures qu'il y a. Hop. Merde, hop. Et là, on va prendre cette vue. Hop, je vais continuer avec cette vue. Ouh là là. Parce que pour sortir du dépôt, c'est pas super facile avec tous les cartons qu'il y a. Enfin, les cartons, là, voilà, les trucs comme ça. Hop. Donc après, c'est un jeu... Enfin, là, moi, comme c'était un jeu, comme je l'ai dit, craqué, enfin... Enfin, voilà, c'est une version 1.1. Donc je crois que c'est la version 2012. Donc après voilà, après sinon pour ceux qui veulent l'acheter, ben, et bien sûr la version 2013, et ben je pense la version 2014 pardon, qui va arriver. Attendez que je regarde vite fait où c'est qu'il faut aller. Ça lag un peu quand même avec, comme je fais la vidéo, l'étude, c'est un peu plus fluide quand même, parce que là franchement c'est pas super fluide. Ok, donc là, ouais, donc je dois aller sur ça. Ok, donc voilà, donc c'est un jeu de simulation, donc un jeu qui est fait pour être un maximum réaliste. Et franchement c'est tellement réaliste que franchement parfois, enfin non, c'est pas même, merde, c'est même pas parfois, mais c'est la plupart du temps, sérieusement, moi je me fais chier. Enfin ouais, je dis ça, mais bon, après sinon vous allez dire ouais, mais on va pas regarder sa vidéo parce que si elle fait chier, enfin voilà, non, mais c'est vrai quoi, parce que en fait le but c'est de livrer des colis. Ben là vous pouvez voir sur la mini carte, en haut, je crois que c'est feu rouge, ouais, en haut à droite, que il y a marqué Lisboa, donc Lisbonne en français, et donc c'est la capitale, pardon, du Portugal. Donc après, ben là je dois faire une commande, je dois livrer une remorque là en Espagne.
à Barcelone exactement. Donc après, franchement, les temps de trajet sont, mais disons que, je sais pas moi, mais en une seconde par exemple, on fait 1 km. Enfin, vous pouvez regarder le compteur là juste au-dessus du volant. Hop, les kilomètres qui défilent, les kilomètres pardon qui défilent. Ah non, merde, c'est pas une seconde qu'on fait 1 km. Enfin, voilà, mais en tout cas, c'est parfois on se fait vraiment chier parce que jusqu'à Barcelone, il y a au moins, je sais pas moi, dans le jeu, il y a au moins 200, 200, 300 km à faire. Et franchement, à cette allure-là, franchement, parfois on se fait vraiment chier. Et c'est pour ça que c'est assez décevant, mais en même temps, c'est réaliste. Donc après, c'est suivant comment vous voulez avoir un jeu de simulation. Parce qu'après, sinon, si vous voulez avoir un jeu de simulation, quoi, mais où ça prend pas de temps, quoi, c'est que vous pouvez pas avoir un jeu de simulation comme ça. C'est le choix, quoi. Donc après, sinon, les commandes, hop, je reviens dessus. Bon, même si c'est en espagnol, je vais pas vous faire hop, voilà. Donc commande, on peut pas dire que c'est pas réaliste. Là, vous voyez toutes les commandes. Donc après, moi je les utilise pas toutes, hein, parce que sachant que d'un c'est en espagnol, je sais pas à quoi ça correspond trop. Mais après, sinon, il y en a quelques-unes, style le régulateur pardon des vitesses, les essuie-glaces, hop, qu'on peut mettre là quand il pleut. Enfin, voilà quoi, c'est des petits détails et c'est ce qui donne une touche de réalisme vraiment, vraiment fidèle à la réalité, quoi. C'est le but d'un jeu de simulation aussi. Hop, attendez, je vais quand même regarder la carte. Hop, voilà. Après, c'est un jeu de simulation, quoi. C'est on aime ou on n'aime pas. Après, attendez, je vais quand même mettre le chrono parce que moi, je mets le chrono à chaque début de vidéo. Hop, attendez, je vais me prendre le mur. Non, c'est bon. Pourquoi? Parce que je veux pas quand même que la vidéo dure. Mais ok, mais non, mais c'est le mec qui me fonce dessus. Je veux pas que la vidéo dure 3 quarts d'heure non plus parce que, parce que 3 quarts d'heure sur une vidéo, on se fait chier à tourner un volant. Enfin voilà, c'est pas super. Ensuite, les points forts, c'est les graphismes parce que enfin je sais que Euro Truck Simulator, c'est un jeu assez connu pour les jeux de simulation, mais c'est pas un jeu vraiment à gros budget. Enfin, du moins je ne pense pas, et je pense que j'ai raison parce que voilà, c'est pas des jeux comme Black Ops où il y a vraiment un gros budget. Ferme ta gueule toi. Où il y a vraiment un gros budget pour les jeux. Là non, et franchement je pense qu'ils ont fait du bon travail avec les moyens qu'ils avaient. Ensuite, point fort, les temps de chargement qui sont pas énormes. Après, un point fort, c'est que bon, là bien sûr j'ai la version espagnole, mais sinon il y a plein de versions. Il y a vraiment beaucoup de langues. Je crois qu'il y a le chinois, il y a le japonais, il y a le français, l'espagnol, l'anglais. Enfin, il y a de tout, quoi. C'est vraiment vraiment une grande variété de langues. Voilà. Ensuite, sinon, on va passer aux points faibles. Donc les points faibles, c'est que, je sais pas si vous le remarquez, mais bon comme j'ai dit, les temps, hop, je vais aller sur la autoroute vite fait. Les temps de comment s'appelle les temps de trajet, voilà, j'ai trouvé le mot, sont vraiment énormes. En même temps, c'est le fait d'être réaliste. Aussi, oui, un point fort, c'est qu'on peut s'arrêter, on doit faire le plein de carburant, sinon on doit appeler une dépanneuse. Donc ça, c'est vraiment la touche réaliste qui est vraiment super bien.
Sachant que j'ai pas obligé de le faire, hein, que franchement ça passait quand même. Mais ouais, c'est vraiment une touche super. Ensuite aussi un point fort, c'est le chauffeur doit se reposer sur les aires d'autoroute parce que sinon, eh bien, il somnole, il risque d'avoir un accident. Voilà, donc ensuite je repasse vite fait au point faible, c'est que bien bon, je vous l'ai dit, les temps de livraison, enfin voilà, temps sur les routes. Ensuite l'effet de vitesse, parce que là je suis à, bon quoique non, je suis en fait jusqu'à 80, bon voilà, enfin je sais pas si vous voyez là, on pense qu'on va à rien. Ensuite quand on met cette vue, on pense qu'on va quand même un peu plus vite, enfin voilà, après voilà, c'est comme ça. Ensuite putain, mais en fait je crois que je vais revenir à chaque fois au point fort parce que j'en oublie à chaque fois. Point fort, mais non, je viens juste de l'oublier comme un con. Donc, peut-être que ça va me revenir. Ensuite on va pas passer 20 minutes sur les points forts et les points faibles du jeu. Non, voilà. Et putain, mais qu'est-ce que tu fous toi. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Non, mais j'espère que la vidéo va vous plaire. Enfin, franchement, on aime ou on n'aime pas. Donc, si vous aimez pas les jeux de simulation, je pense pas que vous allez apprécier cette vidéo. Bon, sachant que moi, je suis pas un grand fan non plus de jeux de simulation. Mais bon, je me suis dit peut-être, c'est un jeu assez connu qui risque de plaire à certains. Voilà, donc s'il faut, elle va plaire à personne ma vidéo. C'est pas grave, au moins je vous l'aurais proposé. Et voilà, ça rajoute aussi de la diversité à ma chaîne. Voilà, donc ensuite, en ce qui concerne l'actualité, parce qu'à chaque fois je réserve 5 minutes vers le début, le milieu ou la fin de mes vidéos. Bon, mais là, en l'occurrence, là c'est vers le milieu, enfin je pense que c'est vers le milieu. L'actualité, comme j'ai une coupure internet qui est de 3 semaines, parce que là je suis en plein dedans, qui va se terminer normalement dans pas longtemps, je ne peux pas vous dire le nombre exact de vues, mais en tout cas je sais que c'est aux alentours des 300-400 vues, donc merci à ces 300-400 vues. Nombre d'abonnés, je sais plus trop. C'est aux alentours des 40, donc merci aux 40 abonnés. Ensuite, je sais pas trop quoi dire. Je sais que quelques personnes me suivent en fait grâce à Twitter. Enfin, même qui m'ont découvert grâce à Twitter. Parce que je me suis inscrit sur Twitter il y a quand même pas mal de temps maintenant. Donc voilà. Au début en fait c'était rien que pour que les abonnés ou les personnes qui aiment bien mes vidéos peuvent me suivre plus sur Twitter, enfin voilà. Tandis que là en fait c'est, il y a même des gens qui me découvrent sur Twitter et qui vont me découvrir sur YouTube, donc en fait c'est ça marche dans les deux sens, donc franchement c'est plutôt un bon truc. Hop là, je vois sur le panneau Barcelona Madrid, donc ça va être pas mal. Je pense que on y est arrivé dans, ah ouais quand même, en fait je suis bientôt arrivé à Madrid, mais bon, pour arriver à Barcelone je pense qu'il me faut encore bien, je pense que dans 20 minutes on va y être, donc ça va être enculé, ça va être une vidéo d'une demi-heure. Bon, je vais couper la vidéo avant. Je vais me faire une vidéo maxi de 20 minutes. Parce que sinon, ça ne va point le faire. Ou au pire, au montage, je coupe une scène. Je fais une petite ellipse. Je sais pas. Bon, je sais pas. Je verrai. Donc voilà, donc en plus, quitte à parler actualité, bon, même si je sais que ça fait plus de 5 minutes que je parle de ça, ou pas, parce que je sais pas, actualité, vidéo de GTA San Andreas,
vidéos, enfin j'ai des vidéos qui y a sur ma chaîne, vidéo de Call of Duty que je n'ai pas encore mise en ligne, mais je pense que je vais mettre la mise en ligne en même temps que cette vidéo aussi. Donc normalement, si vous regardez cette vidéo, et bien normalement, si je ne dis pas de bêtises, si tout se passe comme prévu, il y aura la vidéo de Call of Duty, vidéo de Pure aussi, qui est un jeu de quad, donc un quad donc bien fait, très bien fait. Je vous invite à regarder cette vidéo, enfin je vous invite si je fais cette vidéo, mais normalement oui, c'est prévu puisque je ne l'ai pas encore faite. Et une vidéo de, attendez, je réfléchis, de Need for Speed Shift 2. Donc c'est un jeu de simulation encore, même si j'ai dit que j'étais pas un grand fan. J'en possède quelques-uns, jeux de simulation, même si c'est vrai que j'apprécie pas ça autant que les jeux si j'apprécie, puisque on peut dire que il y a certains FPS, c'est des jeux de simulation qu'on peut apprécier, parce que quelque part aussi c'est Call of Duty, c'est un jeu de simulation. Bon, sauf Black Ops 2 avec les zombies et tout, enfin voilà, mais ensuite voilà. Donc après je pense qu'il faut que je continue tout droit, non, je sais pas, hop, je vais mettre le régulateur de vitesse, sauf erreur. Non, c'est pas ça, j'ai oublié la touche. Merde, j'ai oublié la touche du régulateur de vitesse. Bon, attendez, je vais vite regarder si ça ne vous dérange pas. En même temps, vous allez pas me dire non, puisque... Mais puisque je suis... N. Non, je crois pas que c'est ça. E. E, peut-être que c'est E. Je pense pas que ça soit E. J'ai oublié la touche. Ouais, ok. Bon, mais soit c'est E, soit c'est F. Non, F c'est le clignotant et E. Non, c'est pas ça. E, c'est pour éteindre le camion. Et c'est... Oui, c'est ça, bingo. Bon, on va un peu monter quand même en vitesse. Ah là là, tout ça pour ça. Oh putain, je viens juste de me rendre... De me souvenir d'un point fort que j'avais oublié de vous dire. Parce que je vous ai dit même que j'avais... que j'en avais oublié entre temps. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je me prépare des fiches où je marque à l'avance les points forts et les points faibles, parce que sinon je vais jamais y arriver. Hein. Donc le point fort que j'ai juste de me souvenir, c'est les vues, parce que regardez, on peut mettre cette vue là qui est dans le camion, qui est d'ailleurs bien, très très bien modélisée. Ensuite la vue extérieure, qui est peut-être pas forcément facile à conduire, même pour certains, hein. Cette vue qui est une vue de haut, après je sais pas comment trop vous l'expliquer. Ensuite la vue qui est sur le capot. Merde, j'ai désenclenché le régulateur. Oh bah attendez, je vais essayer de gagner de la vitesse avant de vous montrer d'autres vues. Oh, il y a une mouche qui m'embête là. Hop, attendez, on va y arriver. Voilà, c'est bon. Donc ensuite j'étais à cette vue, ensuite la vue bien sûr sur qui est directement sur la route, ensuite la vue qui est sur la rue gauche du
camion. Et ensuite, c'est le même principe que GTA, c'est ou putain, la vue cinéma où je m'en sors vraiment pas très très bien. Et voilà, ensuite on retourne à cette vue. Ah, il y a une différence. Ou putain, merde. Ah, voilà, on a fait le tour des vues. Ensuite, putain, j'en ai marre. Je suis où? Ouais, ok. Bon, en gros, on va mettre, je sais pas combien de temps, on va mettre 3/4 d'heure à aller là-bas. Donc, je pense qu'on va pas pouvoir finir ça pendant pendant le délai de la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, autre point fort, je viens juste de me rendre compte aussi, c'est au niveau des réalismes, style les fautes, enfin les PV, enfin je sais pas comment vous expliquer, parce que à la fin de chaque voyage, enfin à la fin de chaque livraison, et ben on nous fait un petit inventaire des PV, enfin des infractions qu'on a commises, si on en a commises ou pas, et on doit payer des amendes. Donc après, c'est pas forcément super quand on gagne pas forcément beaucoup par colis, parce que parfois tu sais, on fait tellement les cons que ça peut monter jusqu'à 2000 € si on accumule toutes les infractions. Après sinon bien sûr on peut pas nous enlever le permis poids lourd, parce que sinon le jeu il est mort. Mais après sinon voilà, on paye des PV. Voilà. Ensuite, je pense que là, je vous ai appris tout dit au niveau des points forts, même si je pense que j'en suis sûr. Y en a qui vont me revenir après la vidéo, soit après la vidéo, soit même pendant. Bon, là, je pense que je vais laisser tomber au niveau des points forts et des points faibles, parce que sinon, ça va pas le faire. Là aussi, on peut allumer un peu les phares. En fait, ça, c'est les feux de croisement, un truc comme ça, je pense. Et ça, c'est les feux. Et mais qu'est-ce que t'as, toi? Ah oui, c'est... Merde, putain, j'en ai marre. Merde, qu'est-ce qu'on me dit, là? Ah oui, merde, faut aller me reposer, parce que là, vous pouvez voir en haut, à droite, le petit bandeau, là, où il y a un petit bonhomme. En fait, c'est la silhouette d'un petit bonhomme qui me représente à moi. Et en fait, c'est une jauge qui va se remplir en bleu. Et ça, c'est en fait la jauge d'énergie. Donc là, il va falloir que j'aille faire dodo sur une aire d'autoroute. Donc, si j'en croise une, avant que je me couche. Là, c'est le klaxon. Ouais. Voilà, après sinon... Mais comment il fait pour aller plus vite que moi, celui-là? Voilà, 80 km/h, ça va aller. Voilà. Mais je pense qu'en fait, d'un, je vais pas réussir à finir la livraison dans les temps. Et de deux, j'ai pratiquement plus rien à vous dire sur ce jeu. Donc après, je pense que je vais arrêter la vidéo dans pas trop de temps, parce qu'après, si c'est une vidéo trop longue sur un jeu de simulation en plus où on s'emmerde pas mal, et bien il ne va pas y avoir beaucoup de vues. Et ça, c'est pas mon but, parce que le but c'est de vous faire profiter de mes vidéos. Donc à la prochaine aire d'autoroute. Mais en fait je pense qu'il n'y en a pas une avant longtemps. Donc ce que je vais faire, je pense que c'est que je vais me caler sur un coin, ensuite
Ben, je voulais faire la vignette. Vous savez, la vignette pour les vidéos. Mais je pense qu'en fait, sur un jeu comme ça, je vais pas le faire. Je vais pas la faire comme ça. Oula. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, ouais, je vais pas la faire comme ça, la vidéo. Parce que les vignettes comme ça, hop. Enfin, je sais pas, ça fait pas une super belle vue. Donc, ce que je ferai, c'est que... je chopperai une image sur internet et je la modifierai un peu en mon goût. Bon allez, là ça va être bon je pense. On va pas se faire chier. Hop, voilà. Donc après sinon cabine bien modélisée. Hop, on peut même voir dans le pare-brise. Bon là je squatte en fait la bande d'arrêt d'urgence. Mais c'est pas grave. Hein. On s'en fout. Donc voilà, donc c'était CashGamer18. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je tiens à vous préciser que putain, vous inquiétez pas. C'est pas la fin des vidéos et qu'il va y en avoir encore plein d'autres. Ah ouais, je viens de m'apercevoir qu'en fait. La mouche qu'ils m'ont mettée au milieu de la vidéo, ben en fait je l'ai tué. Non, en regardant par terre en fait. Je vois la mouche morte. Donc voilà, donc petit renversement de situation pour la mouche. Allez, à la prochaine vidéo. Allez, ciao.